Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Enfants capables d'Afrique, enfants capables de Côte d'Ivoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 mars 2021 et j'ai une chaîne YouTube dont le nom est Eben Boigné Officiel. Et toujours, quand je fais mes vidéos sur YouTube, sur Facebook, je les publie aussi sur cette chaîne-là. C'est ainsi que tout le challenge, durant tout le mois de février, tout ce que nous avons fait avec le challenge, je reportais ça chaque fois sur cette chaîne-là. Et hier, j'ai vu le commentaire d'une personne qui est abonnée à ma chaîne. J'ai noté le nom de la personne. Elle se nomme Rosalie Guessou. Elle m'a fait une suggestion que j'ai trouvée incroyablement formidable. J'aimerais dire beaucoup merci à cette personne pour avoir eu cette belle et extraordinaire idée. Vous savez, on ne peut pas penser à tout, hein. On ne peut pas penser à tout. Et quand une personne te fait une suggestion, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'idée que tu vas développer ne vient pas de toi. Tu peux recevoir une suggestion. Tu la prends et puis tu peux l'améliorer. Tu peux apporter des idées à toi-même que tu vas greffer à cette suggestion. Mais il faut toujours avoir l'honnêteté de reconnaître qu'une idée n'est pas venue de toi. C'est pourquoi, en tant que femme capable, et ça fait partie de tout ce vocable, étant une femme capable, c'est une personne qui est avant tout honnête et qui a une certaine honnêteté intellectuelle dans tout ce qu'elle fait. J'aimerais dire merci ici à, j'ai noté son nom, je n'arrive pas à retenir encore, à Rosalie Guessou pour cette extraordinaire idée qu'elle a donnée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, ton challenge, vraiment, c'est une idée extraordinaire et puis vraiment, c'était une bonne chose. Mais, et si on faisait un challenge aussi pour Madame Irielou Colette, qui vient de décéder? Irielou Colette est décédée le 5 mars 2021, une mort subite. Et par rapport aux rumeurs qu'on entend, il y a de quoi se poser des questions. Mais bref, je ne suis pas Sherlock Holmes. Et donc, elle a proposé quoi? Elle dit, et si maman, tu lançais un challenge pour Madame Irielou Colette? Comme elle est gourou, tu peux demander aux femmes de mettre le pagne gourou pour pouvoir rendre hommage à la dame. J'ai trouvé son idée formidable. L'hommage que nous pourrions rendre à une femme comme nous. Surtout que dans une de mes vidéos, j'ai parlé d'elle et j'ai dit que c'est une femme capable. Alors, il est tout à fait légitime que, en tant que femme capable, nous puissions rendre un hommage à une autre femme capable. Mais la seule différence avec ce qu'elle a proposé, j'ai dit, bon, au lieu que on demande aux femmes de porter le pagne gourou, d'abord le pagne gourou, plusieurs ne le connaissent pas, connaissent pas vraiment la différence entre le pagne gourou et le pagne baoulé. Et puis, moi, comme je dis toujours, quand je veux lancer un challenge, je donne toujours l'exemple d'abord. Je n'ai jamais lancé un challenge où je demande aux gens de faire ci ou ça. Moi-même, je pose l'acte. Et puis, c'est sur ça que les autres regardent. Et puis, ça leur permet de rendre ce que je souhaite qu'on rende. Je ne l'impose pas, vous savez très bien. Donc, je me suis dit, au lieu que je demande à tout le monde de chercher le pagne gourou, ça va être trop long. Et si, au lieu de chercher le pagne gourou, on faisait plutôt
la promotion des légumes. Puisque Irielou Colette, elle était la présidente de la FENACOVICI, on sait très bien le travail qu'elle a battu en matière de vivrier, de pouvoir permettre aux Ivoiriens de manger à leur faim. Surtout pendant les événements de 2002, les événements de 2004 et tout, Irielou Colette a rassuré les Ivoiriens que vous n'allez pas mourir de faim. Même si les routes étaient coupées, Irielou Colette a fait en sorte que les Ivoiriens ne meurent pas de faim. Elle mérite vraiment qu'on lui rende hommage. Merci beaucoup, Rosalie Diessou, pour cette formidable idée que tu m'as donnée, que je vais modifier légèrement. Mais la base de ton idée, c'est qu'on rende hommage à Irielou Colette. Et ça là, c'est toi qui m'as donné l'idée. Je vais respecter ça. Mais permets-moi de changer quelque chose parce que le pain gourou, on ne peut pas le trouver facilement. Et puis moi, je n'ai pas le pain gourou ici. Et même si je l'avais, ça allait être un peu difficile que tout le monde trouve le pain gourou. Donc, ce que j'ai trouvé de plus simple, c'est d'aller acheter des légumes, des tomates, des oignons. Et puis, je n'ai pas mis mon oignon, je vais chercher. Donc, je suis allée, j'ai fait mon petit marché, j'ai acheté des légumes. Et ce que je vous propose, on garde notre pain parce que si on doit prendre un autre pain, ça va briser un peu l'élan du EIV capable. On garde notre pain de femme capable parce que c'est le pain dans lequel toutes les femmes capables se reconnaissent désormais. C'est aujourd'hui le pain de ralliement parce que nous voulons ressembler à Madame Gbagbo, Laurent. Parce que c'est une femme capable, une femme digne, une femme qui s'est tenue droite, une femme exemplaire et tout et tout. Et comme nous avons décidé de prendre Madame Gbagbo comme notre référent, on garde le pain pour toutes les activités que nous allons vouloir faire où on doit honorer la femme, nous allons mettre ce pain-là. Ça va être le pain de ralliement de toutes les femmes capables et au-delà de tous les enfants capables. Donc les hommes, qu'ils sentent qu'eux aussi, ils sont des personnes capables, ils portent le pain. Ça va devenir un pain culte pour un message que nous avons envie d'envoyer à la communauté tout entière. Ce challenge, nous l'avons fait tout ensemble. Et je dis toujours que là, c'est chacune et chacun qui a apporté sa brique qui a permis de faire la réussite de ce challenge-là. Je n'ai pas été seul à le faire. Nous l'avons fait toutes ensemble et tous. Et donc, le challenge que je suis en train de proposer dans un autre challenge, en fait, c'est un hommage que nous allons rendre à Irielou Colette. J'ai essayé de savoir si elle a déjà été enterrée. J'ai cherché un peu sur le net. Je n'ai rien vu. Donc, je ne sais pas si elle a déjà été, si ses obsèques se sont déjà tenues. Mais nous, le fait qu'elle soit décédée, nous décidons de lui rendre hommage. Donc, c'est quoi? On garde notre pagne et il est capable, mais on met une touche de deuil sur nous. J'ai mis un collier noir. J'ai mon bracelet noir, j'ai un foulard noir, ce qui symbolise le deuil chez nous. Mais le noir qui symbolise le deuil ne rabaisse pas notre couleur de peau, ça ne rabaisse pas notre genre, non. Le noir, c'est beau. Le noir, c'est le renouvellement, c'est la renaissance. Le noir, c'est la couleur éternelle, la couleur des origines. Donc, ne vous sentez pas frustré pour certains qui disent que on prend le noir pour symboliser le mal. Non, le noir, c'est beau. Et c'est la renaissance, c'est le renouvellement. Alors, on garde notre pagne et il est capable et on met une touche de ce qui représente le deuil chez nous et nous avons une corbeille de légumes, une corbeille de vivriers. Je vais faire des photos. J'ai déjà fait mes photos avant de faire le direct que je vais publier. Et vous allez regarder comment j'ai fait. Et si vous êtes intéressé à rendre hommage à cette dame, à cette pionnière, à celle-là qui s'est battue avec les moyens intellectuels qu'elle a. Intellectuel, c'est pas aller à l'école là. L'intellect. Avec les moyens intellectuels qu'elle a, elle a réussi à envoyer plusieurs femmes avec elle, près de 5000 organisations de femmes, et faire une fédération. Il faut lui tirer notre chapeau.
Et notre manière à nous de lui rendre hommage, ce sera de faire des photos que nous allons utiliser pour inonder les réseaux sociaux avec toujours notre pagne et Yves Capable, avec cette touche de deuil et avec la corbeille de vivrier. Le combat que Iriel Loucolette a mené pendant près de 30 ans, aujourd'hui, elle rentre dans l'éternité. Elle a marqué son temps, elle a marqué son époque. Et nous sommes toutes capables de marquer notre époque avec le talent que nous avons reçu chacune. Ton talent, c'est être coiffeuse. Tu peux marquer ton temps avec. Ton talent, c'est être chanteuse, être danseuse, être professeur, docteur, ministre, institutrice, sage-femme. Peu importe ton domaine dans lequel tu excelles, fais tout pour être excellente dedans. Fais tout pour être honnête dedans. Si ton talent que tu as reçu, c'est faire des vidéos, fais-les correctement. Fais-les avec beaucoup d'amour et de. Fais-le avec respect pour ceux à qui tu envoies le produit que tu crées de tes mains avec ton cerveau. Tu es coiffeuse. Fais en sorte que ton salon de coiffure soit propre. Que les clientes, quand elles viennent, quand elles sortent, elles sont satisfaites. C'est ça la femme capable. Tu vends de la loco. Si tu utilises l'huile, parce que l'huile qu'on utilise très longtemps, ça finit par devenir carbonigène et ça peut créer des problèmes de santé. Il ne faut pas penser que tu vas utiliser l'huile là jusqu'à ce que l'huile là devienne pâteuse. Une femme capable, c'est celle qui va faire en sorte que sa clientèle, celle qui va préserver la santé de sa clientèle. Il ne faut pas voir seulement ce que tu vas gagner en retour en termes d'économie. Donc, tu vas utiliser une huile pendant une semaine, mais tu mets la santé de tes clients en danger. Une femme capable, c'est celle qui va penser à ce que ce qu'elle entend vous donner à ses concitoyens ne leur fasse pas du mal en retour. Tu es enseignante. Une enseignante, une femme capable qui est institutrice, qui est professeure du secondaire ou bien d'université, c'est celle qui va vraiment s'investir dans ce qu'elle a envie d'envoyer aux jeunes générations, l'enseignement qu'elle a envie d'envoyer, ce qui va permettre à la jeune génération de retenir le maximum. Elle va le faire avec tout son cœur, avec ses tripes. C'est ça, une femme capable. Tu es sage-femme. Peu importe ce que tu es, chauffeur de bus, mécanicienne, il faut que tu fasses ton travail avec conscience. Avec amour pour ton prochain. C'est ça la femme capable. On peut donner toutes sortes de définitions. La liste est très longue, mais on va y aller tranquillement. La fondation EIV Capable est en train d'avancer. Il y a une de mes mamans qui m'a donné de bons conseils. Quand ce sera le temps du lancement, je vous dirai les conseils qu'elle m'a donnés, que j'ai suivis, qui sont de très bons conseils. Cette fondation-là va essayer de travailler autour de ça, de nos valeurs, de notre civisme, de plein de choses que nous avons oubliées avec le temps. Mais il n'est pas trop tard. On peut revenir à certaines de nos valeurs, à certaines de nos choses. Bon, trêve de bavardage. Je vais vous présenter donc un petit extrait de Iriel Loucolette, un petit reportage qui a été fait par la RTI. Et puis après, on va continuer dans ce que nous avons décidé de faire. Suite à la suggestion d'une personne qui est abonnée à ma chaîne YouTube, Rosalie Gessou. Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisée dans le vivrier, Iriel Colette est décédée ce vendredi au CHU d'Angers dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Iriel Colette. Okay, j'ai pas... Grande artisane de la sécurité Moi-même, mes affaires sont toujours alimentaire. bizarres. Oh, c'est quoi? Pourquoi ça fonctionne pas? Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisés dans le vivrier,
Irien. Oui, vraiment, hein? Je pense qu'il va falloir que je prenne un cours quelque part, hein? Excusez-moi, hein? Pourtant, j'ai positionné, pourtant, je ne sais pas ce qui se passe. Colette est décédée ce vendredi aussi. Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des marchés gourous spécialisés dans le vivrier, Irielou Irie Colette est décédée ce vendredi au CHU d'Angers dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Irielou Irie Colette a su créer un réseau de production et de commercialisation du vivrier depuis une trentaine d'années. Du bon champ à l'approvisionnement des ménages en passant par les étals des marchés de détail, la maestro du vivrier en Côte d'Ivoire maîtrisait sur le bout des doigts toute la chaîne de production. De quoi séduire les politiques ivoiriens et organismes des Nations Unies. Son mérite est reconnu et lui vaut plusieurs distinctions, notamment en 2016, le prix d'excellence de la meilleure entreprise de commerce intérieur attribué par le chef de l'État. 8 ans plus tôt, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, faisait d'elle la meilleure artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Fena Kovissi, payée en 1998, tit ainsi sa révérence sans avoir porté à son terme un autre grand projet, celui de la construction des marchés ultramodernes dans la périphérie d'Abidjan. Irielou Irie Colette était mère de 2 enfants. Et voilà. Dans la vie, on se débrouille hein, avec les les moyens de bord. Et donc voilà, Irielou Colette est décédé donc le 5 mars au CHU d'Angrais. Et donc je disais suite à la proposition de Rosalie Jessou qui me suit sur ma chaîne YouTube, elle a suggéré qu'on fasse un hommage à Madame Irielou Colette, surtout que j'avais dit que c'est une femme capable comme nous. Ce qu'elle suggérait, c'était qu'on prenne le pain gourou, parce que Madame Irielou Colette est gourou, qu'on prenne le pain gourou pour lui rendre hommage. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, mais j'ai comme amélioré par rapport à un certain nombre de choses. C'est pas que c'était pas bon ce qu'elle proposait, mais logistiquement, ça aurait été difficile. D'abord que moi-même, j'ai le pain gourou parce que je ne l'ai pas. Or, vous savez que quand je lance les challenges, je commence toujours par moi-même. N'ayant pas le pain gourou, et puis, ça allait être un peu difficile à chacune, toutes celles qui sont en Europe et puis qui peuvent faire ce que je pense que j'ai trouvé, ça allait être compliqué. Et donc, au lieu qu'on cherche à prendre le pain gourou, on reste dans notre pain EIV capable, qui est le pain des femmes capables, qui est le pain des femmes, des grandes dames, qui est le pain des femmes résilientes, courageuses, etc., etc. On reste dans notre pain EIV capable, mais on met une touche de deuil sur nous. Or, comme le signe de deuil, généralement chez nous, c'est le noir, alors on trouve, chacune peut aller avec son imagination. Soit vous mettez un foulard noir, vous mettez un collier noir. Si vous n'avez pas de collier noir, vous pouvez prendre une bande de tissu noir simplement, vous la mettez à votre cou, bien chic, ou bien autour de la tête, ou même ici comme ça, vous pouvez mettre un tissu noir. Il faut qu'on voit une touche noire. Ou bien si vous avez la possibilité, vous pouvez mettre un brassard noir. Mais quand vous allez faire la photo, il faut qu'on voit la touche de deuil. Et avec la corbeille de vivrier,
Vous faites votre photo. Il faut que dans la photo, on voit et le signe de deuil, et le pain et Yves capable, et les légumes, ce qui représente le travail d'une vie, d'une femme capable, qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qui a réussi à mobiliser près de 5000 organisations, il faut le faire. Elle a utilisé sa force, elle a utilisé l'intelligence qui est en elle, elle a utilisé ce qui était fort en elle pour sa communauté. Une femme capable, c'est une femme qui impacte positivement sa communauté. Une femme capable, c'est une femme qui apporte un plus à sa communauté. Une femme capable, c'est celle qui est capable d'influencer positivement les générations qui viennent après elle. Mais vous avez entendu dans le reportage, Iriel ou Colette avait un projet pour faire un marché moderne. Malheureusement, elle n'aura pas pu. Est-ce que nous pourrons faire en sorte que ce marché se réalise finalement? Parce qu'il semble que le terrain a été... Il y a eu une phagocytose quelque part et on dirait que le projet a été ravi. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a tiré sa révérence. Elle est morte les âmes à la main. Nous sommes témoins de son passage sur terre. Nous sommes témoins de ce qu'elle a fait pour sa communauté. Alors, elle mérite que nous lui rendions hommage. Heureusement, elle a déjà eu des marques du pays et puis des organisations internationales. C'est une bonne chose, mais on va lui rendre cet hommage-là, nous, avec les moyens que nous avons. Alors, chacune ou chacun, vous allez aller acheter des légumes, des oranges, des tomates, des piments et tout ça là, et vous allez faire une photo avec ça. Vous allez trouver un moyen pour faire votre photo. Vous pouvez être assise sur une table et puis vous déposer devant vous. Parce que c'est lourd, j'ai tellement acheté, c'est lourd même. Et donc, soit vous êtes assise sur une table, vous déposez une corbeille de vivrier, ou bien vous les mettez simplement sur une table, et puis vous êtes assise à côté avec votre pain et Yves capable, avec votre touche de deuil. Que vous soyez homme ou femme, vous savez ce que Iriel ou Colette a apporté à notre Côte d'Ivoire, alors que ce soit un mouvement d'ensemble. Tant que je vais recevoir les photos, je vais les publier. Donc, on continue en même temps la mobilisation du EIV capable et en même temps, on rend hommage à Iriel ou Colette. Est-ce que vous voyez la combinaison que le cerveau est capable de faire? Suite à une suggestion, voilà ce qui est né. Donc, les suggestions, on peut toujours les faire. Les suggestions, moi, je suis ouverte à toutes suggestions. Et je dirais toujours de qui c'est venu. Quitte à apporter des changements ou des améliorations, peu importe, je dirais toujours de qui c'est venu. Donc voilà ma corbeille que j'ai faite. J'ai des bananes, j'ai oignons verts, j'ai manioc, j'ai avocat, j'ai gingembre, carotte, citron, tomate, oignon, concombre, aubergine violette, et puis quoi d'autre? Mandarine. En tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver ici. Et donc, voilà. Voilà donc le challenge ou bien l'hommage que nous allons rendre à Iriel ou Iriel Colette qui a marqué son temps, qui a tiré sa révérence. Elle mérite que nous lui rendions hommage, nous les autres femmes capables et nous les autres enfants capables de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors c'est tout pour le direct d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous suggérer. Alors donc j'attends vos photos. Vous gardez votre pain, c'est pas vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un nouveau pain. Vous gardez votre pain et il est capable. Vous mettez une touche de deuil sur vous. Mais l'élément le plus important, c'est la corbeille de vivrier pour rendre hommage à notre grande sœur qui nous a précédés dans l'au-delà, mais à qui nous voulons rendre hommage. Et c'est une combinaison qui marche très bien. Le vivrier avec le pain et il est capable parce que c'est une femme qui a été capable de faire de belles choses, de se réaliser. Et donc toi, à qui je dis, tu es une vendeuse de tomates, tu as vu ce que Iriel ou Iriel Colette a fait, donc ne pense pas que tu es la dernière de la société parce que tu ne travailles pas dans un bureau. Iriel ou Iriel Colette ne travaille pas dans un bureau. Elle a réalisé ça et ça l'a amené à être dans un bureau. Est-ce que tu comprends? Si tu es une coiffeuse, à un moment donné, si tu fais bien tes choses, tu peux te retrouver avec deux ou trois salons de coiffure dans Abidjan. Tu peux te retrouver avec plusieurs, une chaîne de salons de coiffure. Tu es une vendeuse d'attiéké. Et donc, j'aimerais aussi que si vous connaissez des personnes qui ont posé comme ça des actes là, dites-moi, parce que comme je ne suis pas en Côte d'Ivoire, c'est vrai que je vois souvent des choses passer. Nous devons, nous femmes,
nous soutenir, nous encourager mutuellement et non nous mettre les bâtons dans les roues. Ce que nous devons faire ensemble, nous avons réussi ce challenge-là, nous l'avons réussi ensemble. Et donc, en tant que femme, si tu vois que ta sœur est en train de faire un truc que tu peux l'aider, mais tu te joins à elle et vous le faites ensemble, tu peux la promouvoir même si tu ne fais pas ce qu'elle fait. Apprenons à être solidaires entre nous. Nous allons être les premières à gagner. Nous allons être les premières à tirer les fruits. Soyons solidaires entre nous. Et chacune a son talent. Chacune a son don. Chacune a son aura. Voilà Rosalie Jessou qui m'a fait une suggestion. D'abord, un, elle n'était pas obligée de me faire la suggestion. Deux, je n'étais pas obligée d'écouter sa suggestion. Trois, je n'étais pas obligée de venir dire ici que c'est elle qui m'a fait la suggestion. Je pouvais venir vous faire croire que c'est moi-même qui ai eu l'idée. Mais non, une femme capable, c'est une femme qui est honnête intellectuellement, qui sait reconnaître les forces des autres, qui sait reconnaître ses faiblesses et qui sait qu'elle a besoin de toute la communauté pour porter ensemble un projet. Et ce projet IV Capable, c'est un projet commun, c'est un projet collectif, comme je l'ai toujours dit. C'est pour nous toutes que ce projet-là est lancé. Alors, soutenons-nous mutuellement, encourageons-nous mutuellement. Si tu vois ta soeur qui est en train de faire un truc que tu penses que ça ne va pas trop l'aider, que tu as une, va lui dire. Et puis toi aussi, quand on vient te donner une suggestion, sois ouverte et écoute. Mais les suggestions qu'on fait avec les injures, ce n'est pas de ça que je parle. Ou on vient t'agresser et puis on dit que non, je suis en train de te critiquer pour que tu t'améliores. Non, 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 personne n'est capable d'accepter ça. Une suggestion, on l'a fait avec beaucoup d'humilité. Cette jeune fille m'a fait la suggestion avec beaucoup d'humilité. Et j'ai accepté cette suggestion avec beaucoup d'humilité aussi. Et avec beaucoup d'humilité, je lui donne ça, je lui rends justice. C'est elle qui m'a donné l'idée. Mais j'ai apporté des correctifs par rapport aux logistiques, par rapport à la possibilité de pouvoir... faire ce qu'elle m'a dit, comme il y avait des limites, j'ai changé, j'ai plutôt apporté autre chose pour que ça se fasse en même temps quelque chose de nous tous. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous aime très fort, j'attends vos photos, même celles qui avaient déjà envoyé des photos du EIV Capable, simple là, vous pouvez refaire encore des photos pour qu'on rende hommage à cette femme capable qui nous a marqué positivement, qui a apporté quelque chose à sa communauté. C'est ça, une femme capable. Une femme capable d'impacter positivement. Une femme capable d'envoyer quelque chose de positif à sa communauté. C'est ça, une femme capable. Et on est capable, avec les talents que Dieu nous a donnés, on est capable, avec nos forces personnelles, tout le monde ne peut pas avoir le même talent. Tout le monde ne peut pas avoir la même aura. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées. Alors, j'attends vos photos. Femme capable, comme enfant capable, comme homme capable, rendons tous hommage à Irielou Irie Colette. C'est un hommage qu'on veut rendre à une femme, mais ce qu'elle vendait là, ce n'était pas seulement les femmes qui consommaient, c'était pour toute la communauté ivoirienne, pour tout le pays. Elle mérite qu'on lui rende hommage. Hommage à toi, grande sœur. Merci beaucoup pour avoir impacté ton temps. Tu peux partir en paix. Nous te souhaitons un très bon voyage. Tu as marqué ton temps. Tu es tombé les armes à la main. Merci beaucoup d'avoir existé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. Voilà, il y a quelqu'un aussi qui m'a fait une... Plusieurs personnes me disent que quand je fais mes directs, ils n'ont pas la notification. Je ne sais pas comment on fait. Je suis allé essayer de chercher ce matin comment faire pour que tout le monde puisse avoir les notifications. Je ne sais pas. Donc, si quelqu'un sait comment on fait pour que tous ceux qui suivent puissent avoir la notification que je suis en direct, que la personne vienne m'aider. J'ai vraiment besoin d'aide, je ne sais pas comment on fait. Je suis allé chercher un peu là, mais j'ai vu des choses, mais je vais essayer d'appliquer ce qu'ils ont dit là, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, si vous savez comment faire pour que tout le monde puisse avoir la notification au moment où je fais les directs, ça serait vraiment bien et c'est nous tous qui allons gagner. Donc, femme capable, comme enfant, comme homme capable, si vous savez comment on fait, je vous en prie, mon inbox est ouvert, venez me dire comment faire pour que tout le monde puisse avoir l'information au même moment. Parce que c'est intéressant quand on est sur un direct, au moment où le direct passe, ça, c'est plus chic. Quand tu suis un direct après, tu fais des commentaires, mais ce n'est pas doux. C'est-à-dire qu'au moment où la personne parle, puis tu fais ton commentaire, là c'est chic. Et puis, il y a d'autres qui viennent faire un autre commentaire en bas de ton commentaire, là, c'est doux. Mais après, là, moi, je trouve que ce n'est pas doux, quoi. Donc, si vous pouvez m'aider à faire en sorte que tout le monde puisse avoir la notification au moment où je suis en direct, ce serait vraiment bon. Bisous à vous. Je vous aime très fort. C'était l'hommage
à Irélou Irécolette, qui nous a permis de manger en toute quiétude, surtout pendant les moments de crise en Côte d'Ivoire. Elle mérite donc qu'on lui rende hommage. Voilà. Merci, grand sœur. Bye bye.